nuit du silence, un concept créé par un jeune homme du nom de Momo Bay, sans doute l'un des plus engagés de sa génération. À sa troisième édition, la nuit du silence s'est déroulée à la place publique Tiananmen, sous la présence d'une centaine de jeunes artistes, mais aussi des autorités telles que le maire de Yombol Baragay et tant d'autres. Je pense que tout dépend de la nuit du silence. Le but de cet événement est de célébrer le théâtre, notamment la comédie, à travers la promotion de nos valeurs et nos cultures. L'occasion est aussi de rendre un vibrant hommage à toutes ces bonnes volontés de la zone, mais aussi à toutes ces références de la jeunesse artistique banlieusarde, à l'instar de Fopakoti, à qui on a donné le nom à un district sanitaire de la zone, ainsi qu'une ambulance offerte par la mairie. Ci pakoti ndax xolam bu rafet ndax taxawayam ci yeumbal ndax taxawayam ci senegal pakoti ku ne xamna limu tek ci man avant may jël maire bi lolo tax sama investissement bi gëna mag moy hôpital buñu tabax buñu poste de santé bu and ak maternité ak ñaari logement icp ak sage femme pakoti lañ ko tuddé muy ben investissement de 67 millions barki demb bi ma réceptionné li nga xamanteni moy ben ambulance bu jëgë Italie. Fofu la ko jaglel parce que damay faral di wax ni bimay ñew yëmbël dañ fi fekk ñetti structure de santé mais bima tabaxal sama bop tuddé ko suma xarit Cheikh Sidati Fall suma sañan boboy gëna jëm ci kanam donc loolu motax la fa nekk yépp ñuko fay def té continuer diko def. Au rythme de la musique et des pas de danse, la banlieue dakaroise a encore vibré au nom du théâtre. Ainsi, pour ces jeunes artistes, le message est fort. L'art a besoin plus que jamais d'être prôné aux yeux du public, car la culture en a besoin plus que jamais. Une société,